franchement, elles sont hyper méga canon. Celle-là, je vais peut-être te la piquer aussi. Non, c'est la mienne. Moi, j'aurais essayé. Et salut tout le monde! Salut! Je vous retrouve aujourd'hui avec Sam parce qu'on a décidé qu'on avait envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer toutes nos trouvailles et aussi quelques cadeaux. Yep. Qu'on a ramené de Moorea. C'est ça. Je vais dire Moorea parce que vous le savez, on est passé par Tahiti, mais pour aller à Moorea, donc tout ce qu'on a ramené vient de Moorea. C'est vrai. Voilà. Je sais pas trop par où commencer. Il n'y a pas tellement de début, mais vas-y, lance-toi. Tu veux que je commence et ouais. Après toi? On fera au fur et à mesure. Bon, on a un peu posé tout devant nous et bah, je vais commencer par ce que je porte. Ouais. Voilà. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué, je me suis mise dans l'ambiance avec cette petite robe qu'on a trouvée à l'hôtel. Oui. Et bah, vous vous en doutez, hein, les motifs m'ont fait craquer complètement. Alors, je ne sais pas si on verra bien si je me lève. Bon, je suis restée en pantalon, c'était vraiment juste pour vous la montrer. Il y a un petit volant en bas et elle est plus courte devant que derrière, et puis bah, le petit côté tropical, smoke, les manches, tout ça, j'adore, je la trouve trop sympa, tellement sympa qu'il y avait un autre coloris, tadam, du coup je l'ai prise aussi en bleu marine, ouais. Ce qui est très rare pour moi, je Exactement. Porte rarement du bleu marine, mais en ce moment je commence à me soigner, ouais, je commence à me réconcilier avec la couleur là, et en fait c'est surtout parce que le bleu qui était dessus, le turquoise et tout, je trouvais ça hyper lumineux, avec le petit détail ici qui tranche un petit peu. Et pareil, sur le même modèle, court devant et plus long derrière. Et ça, c'est typiquement le genre de petite robe hyper facile à porter c'est en ça. Été. Une paire de sandales, le maillot de bain en dessous. Ouais. Et c'est parti. Comment tu veux qu'on fasse? On fait un peu chacun notre tour? Bah écoute. Allez, vas-y. Moi, je vous présente, j'ai pris une paire de tongs. Voilà, donc typiquement... les tropiques. C'est ça. C'est le cas de le dire. Voilà. Avec, parce que c'est une marque de là-bas. Hein. Oui. Mmh, c'est pour ça que je les ai prises en fait. Mmh. Parce que je trouvais ça plutôt cool. Mmh. Donc voilà. Qu'il a déjà beaucoup porté sur place. Oui. Je les ai portées sur place, effectivement. Montré, c'est vrai. Je les monte de dos parce que. Dans le même magasin que les robes, je suis tombée sur cette bougie-là. Alors cette bougie-là, je ne sais pas ce que vous en direz, mais je la trouve juste magnifique. Ouais. Il veut pas faire la mise au point, il est vilain, mais on voit bien quand même. Hein, ouais, on voit bien. Ouais. Donc c'est une fleur de tiare. Oui. Et celle-là, t'aurais presque des scrupules à bah, la brûler. C'est ce que je t'ai dit en fait en la prenant. Je l'ai prise et je me suis dit, vais-je la faire brûler? Parce qu'il paraît qu'elle sent super bon. Bah là, on sent plus avec le papier, non, mais dans le magasin, ça sentait super bon. Très très bon. Mais je suis partagée entre le côté déco, joli, souvenir, et le côté je profite de la bonne odeur et je retourne quelques moments là-bas. Je te comprends. Voilà. Mais elle est trop belle, j'adore. C'est vrai. Et du coup, on reste dans les fleurs? Allez. Allez, j'ai craqué, mais j'en ai égaré une entre-temps et je crois que je l'ai égarée sur place. J'avais pris une petite fleur pour les cheveux, comme ça, une petite tiarée en fait, hein, qui se met... tout simplement, voilà, pour décorer. Et pour décorer, pour habiller la tête. Ça se met à gauche. Non, je suis désolée, oh, c'est à gauche quand on n'est pas célibataire. Manuari Vaine. Mais en fait, tu as remarqué que là-bas, les filles ne respectent plus vraiment le côté à droite célibataire, à gauche pas célibataire. Hein. Mm-hmm. Je crois que parfois, on peut le mettre sur le chignon aussi et ça ne veut rien dire dans ce cas-là. C'est plus pour le côté mignon. Et du coup, j'en avais aussi pris deux grosses comme ça. Plus coloré pour bah, pareil assortir plus en ou moins en fonction de la tenue. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien le côté sur un gros chignon aussi, tu vois, la mettre un petit peu oui. Moi il est pas gros mais les petites barrettes plutôt chouettes pareil qui rappellent le côté tropical. J'adore ça. Ouais. Un petit écrin juste pour vous montrer, j'ai pris un bracelet. Je vous montre ça, j'espère que vous le voyez. Donc c'est le même que Lauriane. En fait, je montre le mien aussi. Mais moi il est en cuir, Lauriane il est en tissu. En fait, voilà, c'est le concept de la petite perle hein, qui est mise, perle de là-bas en fait, oui. Qui est mise sur un petit lien. Moi il est en soie en fait, c'est un petit oui. lien de soie et toi c'est un petit lien en cuir. En cuir oui. Et moi ce qui m'avait fait craquer sur le mien c'est la petite feuille de palme en fait. Voilà, je vais essayer de vous faire un gros plan. Je trouvais ça trop mignon. Et effectivement, toi, du coup, en cuir, ça faisait un petit peu plus masculin. Donc, c'est ça. C'était super chouette. Il y avait plein de couleurs, en fait. Hein. Mais on est resté dans les couleurs naturelles. Oui. C'est ce qu'on s'est dit en les choisissant. Bah, du coup, on reste dans les bijoux. Allez.
Vous pourrez peut-être constater que monsieur porte un tiki. Alors pareil, si j'arrive, je vous ferai un gros plan parce que là, pour le coup, c'est tout petit, puis c'est sur lui. Et également une perle, mais elle est gravée, celle-ci. Elle a un motif dessus et j'ai trouvé que ça lui allait trop, trop, trop bien. Donc, c'est moi, en fait, qui t'ai trouvé la perle. J'ai dit, vas-y, c'est trop beau, il faut que tu mettes ça et tout. Ouais. Trop canon. Et moi, du coup, j'ai une petite perle aussi, pas gravée. Et j'ai juste pris le pendentif et en fait, j'ai mis sur une petite chaîne en argent que j'avais déjà. Voilà. C'est tout mignon, j'adore. Ouais. Ouais, surtout, le tien te va particulièrement bien. Merci. Moi, je t'ai déjà dit 25 000 fois, donc ça suffit maintenant. D'ailleurs, les enfants aussi, on leur a pris des petits souvenirs de ce type-là. Ouais. Mais en fait, on n'a pas pris les affaires des enfants là à vous montrer parce que je vous avoue que les enfants, contrairement à nous, ils ont eu du mal en rentrant à mettre de côté en se disant... On n'y touche pas maintenant. C'est ça. Donc, il y a tout qui est un peu disséminé à droite, à gauche. Et autant, il faudra qu'on leur demande peut-être à l'occasion d'un vlog. Pourquoi pas. S'ils peuvent rassembler un peu pour vous montrer un petit peu ce qu'eux, ils ont ramené de là-bas. Parce que pour le coup, là, il n'y a que des choses à nous, en fait. Ouais. Sauf les casquettes. Les casquettes, c'est familial, c'est on ça. Se les prête et tout. Mais du coup, je continue avec quoi ? Ben, vas-y, toi. Un t-shirt. Voilà, souvenir de... Moréa. Ah, il est trop beau. Voilà, j'adore. Avec le tiki. En petit. En petit devant. Et. En grand derrière. En grand derrière. Voilà, je le trouvais super joli. Ouais, j'aime et puis bien. Ça fait un beau souvenir. Mmh, mmh. C'est ça. Ouais. Le côté à la c'est fois cool. C'est joli, à la fois c'est sympa à porter, puis à la fois ça fait souvenir. C'est ça. Et je pense que tu peux montrer ça parce que c'est dans le même esprit en fait. Ouais. Ouais. Je montre ça. Mmh. Vous m'avez aperçu avec dans les vidéos, alors ça j'adore, c'est typiquement de là-bas, il y a plein de symboles, c'est de la marque Inano. Donc c'est une marque de là-bas en donc fait. Donc c'est une marque de là-bas, pardon. Vous voyez la petite vainée. Elle est aussi en petit là sur le côté. Ouais. C'est trop mignon. Et je le trouve super cool. Voilà, vraiment, ouais. Bon vraiment esprit. Vraiment sympa, pareil ouais. Avec les motifs qui rappellent vraiment. C'est ça, et j'ai exactement le même mais d'une autre couleur, toujours avec les motifs. Voilà. Et si on regarde bien. Il y a des palmiers bien, dessus. Alors, il y a la petite vaïnée là, mais il y a les palmiers. Ouais. Et si on regarde bien, il y a aussi une vaïnée. C'est ça. Ici. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça. C'est mieux comme ça. Ok. Je ne sais plus dans quel sens. Dans quel sens on met. C'est ça. Bon, du coup, bon, je continue avec quelques vêtements aussi. Alors là, c'est purement souvenir. Non, enfin, je vais les porter. Ouais. Mais je veux dire, c'est vraiment le côté. Je l'ai pris pour le porter, mais. Comme toi, avec les t-shirts, pour le côté vraiment souvenir, parce que c'est marqué du bon côté, c'est mieux. C'est marqué vraiment Tahiti dessus. C'est marqué Tahiti. Ouais. Voilà. Ça même, c'est super facile à porter. Même si on était à Moréa, c'est marqué Tahiti. Mais moi, je sais où je l'ai. Ouais. C'est cool. Petite jupe pareo en fait. Et pour aller avec, la personne qui a le magasin faisait imprimer des petits motifs aussi sur les débardeurs. Donc j'ai pris le petit débardeur noir, tout simple, avec les fleurs. Voilà. Très joli. À mettre ensemble ou pas forcément, mettre avec un jean aussi, voilà, tranquille. Et vu que j'en ai encore un devant les yeux, ouais, je vais montrer celui-là d'abord. J'ai aussi craqué sur ça. Voilà. Je pense que les couleurs... Alors c'est marrant, regarde, on a la sensation qu'il est peut-être pas si rose, mais au niveau des couleurs, parfois c'est trompeur. C'est vraiment la petite combi short, ouais. Hyper méga tropicale, et bustier, voilà, avec les smokes là pour tenir ici, un petit peu comme le même principe que la robe, mais sans les manches. Par contre, finition sympa, parce qu'il y a les petites poches sur les côtés, et il y a les petites poches derrière aussi, ouais. Et je trouvais que pour le coup, pour une petite combi, entre guillemets, de plage, bah, elle était suffisamment bien finie pour être portée aussi tranquille en été, ouais. Quand on est en vacances. Super sympa, vraiment. Ouais. Vraiment super mignonne, et puis les couleurs super fun, en ouais. Fait, hein, super pop et tout, j'adore. Je veux dire encore des choses, toi. Je continue Bon, moi je continue dans ma série, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment des souvenirs, des choses qui me parlent. Donc, on reste dans le t-shirt, allez, je vous l'ouvre. C'est un Inano Tahiti. Et celui-là, on l'a cherché. Hein. Et celui-là, on l'a cherché parce qu'il était compliqué à trouver en rouge. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui doivent le trouver sympa en rouge, ouais. Parce qu'il l'avait plus partout en rouge. En c'est fait. Ça. Oh, ça, j'adore. Bon, ça, c'est à l'aéroport. C'est ouais. Plutôt drôle. Ouais. Hein, c'était en partant. On est tombé là-dessus. J'ai trouvé trop beau. Et effectivement, pareil, hein. Il est juste, il est c'est juste la même trop marque. Sympa. C'est toujours Inano. Ah, il y a le soleil qui se cache. Ouais. Mais avec. Les palmiers, la vaïnée, enfin voilà, super. Je le trouve canon. Super canon. Sympa pour cet été. Mmh. Bah, du coup, je continue avec quelques vêtements. Ouais. Alors là, c'est vraiment le genre de choses
que j'ai pas du tout en temps normal. Non. Je pense que tu pourras confirmer. Je porte rarement du long. Oui. Et là, quand j'ai vu ces deux robes-là, parce qu'il y en a deux en fait, il y en a une autre là qui attend, je me suis dit, oh, je voudrais bien essayer pour voir comment ça fait. Alors la première, elle est à bretelles, voilà. Toujours à smock pour le côté, on souligne le haut en fait, comme ça. Et elle est longue, on peut dire vaporeuse en fait, avec quelques imprimés, voilà, bleus. Et peut-être qu'on ne se rend pas bien compte comme ça, mais à l'occasion, quand je la porterai, je vous montrerai ce que ça donne. Ouais. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment... très jolie. C'est simple, en fait, mais c'est joli et je ne marche pas dessus. Non. Bon, ça, c'était quand même le truc qu'il fallait souligner. Parce qu'avec les robes longues, en fait, c'est rare que j'en achète. C'est aussi... c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est parce qu'il faut tout le temps les raccourcir. Et c'est selon ça. Les modèles, c'est plus joli après quand on les raccourcit. Ouais. Et du coup, celle-là, j'étais pas forcément partie pour la prendre. Non. Et en fait, le chéri m'a dit, si, essaye, parce qu'au niveau du haut, ça risque d'être hyper, hyper joli. Elle n'est pas tout à fait faite pareil, parce que celle-ci, elle va plus souligner la taille. Et au niveau des épaules, elle est comme la robe que j'ai là, en fait. Comme ça, voilà. Donc là, on est plus, c'est un peu large en haut, c'est très souligné à la taille. Et ensuite, ça part au niveau des hanches. C'est ça. Pareil avec les motifs bleus aussi, parce que pour le coup, je crois que ce modèle, il a tellement eu du succès. De l'autre côté, c'est mieux. Qu'il lui restait plus que les modèles avec les fleurs bleues à la dame. Tout à fait. Donc pareil, hyper vaporeuse, hyper légère. Doublée quand même pour pas être trop transparente. Donc très agréable à porter en été. Voilà. Et ça y est, j'ai deux robes sur lesquelles je ne marche pas dessus. Ouais. C'est super sympa et c'est super pratique, surtout c'est moins dangereux. Quoi, c'est ça. continue. Allez. On dirait qu'il n'ose pas. Non, si, tranquille. Voilà. Un autre t-shirt Inano. Inano. Celui-là, je le trouvais un peu plus coloré. Voilà, alors pas dans la couleur du t-shirt, mais plus dans le logo et motif. Donc je le trouvais vachement sympa. Moi, je trouve surtout que tu as beaucoup craqué sur des t-shirts avec des tahitiennes dessus. Ouais, avec des vaïnées. Tu cherches toujours la vaïnée sur ton t-shirt. C'est ça. Et un dernier que j'ai aussi trouvé à l'aéroport. Ah non, mais celui-là. Et que j'ai pris parce que, déjà, d'une part, il était en manche longue, mais en plus, je le trouvais super classe en plus du reste. Donc. Je vous montre, ça c'est le motif qu'il y a sur le devant. Sur l'épaule. C'est ça. Et voilà ce qu'on trouve derrière. Il est canon. Il est juste super sympa. Il voilà. Est méga canon, j'adore. Ouais, moi aussi vraiment. Vraiment. Il est super. Et il est moins facile à porter en été. Non. Ah, effectivement. Ou alors très très tard le soir quand il y a beaucoup de vent, de la pluie. Tout à fait. Qui fait pas beau quoi. C'est vrai. Mais il est canon. Bon, ça fait un truc à porter quand il fait moins chaud. Oui. Ça te rappelle quand même là où il faisait chaud en fait quoi. Ouais. Ah, c'est pour pleurer deux fois plus. C'est pour ça. Sinon, ça, c'est Chéri qui me les a trouvés. Ouais. Ouais. On les a vus dans la vitrine. Il m'a dit, regarde, j'ai fait, oh, trop beau. Et du coup, il est rentré et il les a prises. Voilà, des petites plaques pour décorer. Ouais, je me souviens. Celle-ci pour être sympa, dans la déco peut-être du studio. Et puis, je sais pas, je vais trouver un endroit où on va les mettre. Parce ouais, que, puis ça se garde, c'est quelque chose qui est vraiment... On devrait peut-être faire ça en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, on ramène une plaque. Ouais. Comme ça, on se fait une collection de plaques de tous les endroits où on est allé. Est-ce que tu crois qu'on en trouve partout ? Dans tous les endroits où on est allé ? Normalement, on en trouve très souvent. Ouais. Ouais. J'aimerais bien celle de la Californie, j'aimerais bien celle. On verra plus tard. Et sinon, quelque chose qu'il a acheté sans moi, pour me faire une petite surprise. C'est des tasses à café. Ouais. Avec plein de palmitos dessus. Voilà, alors c'est marqué Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Raiatea et les Marquises. C'est typiquement les petites tasses qu'on trouve de toutes les couleurs dans les magasins de souvenirs. Et du coup, il a pris vert parce que palmier égale vert. Parce que palmier, oui, ça me parlait plus. Ouais. Elles sont trop belles, elles sont vraiment trop trop mignonnes. Moi sinon, dans les petites boutiques aéroport, avant de partir, j'ai attrapé ça, une petite eau de toilette Tiki Tahiti à la vanille. Donc voilà, j'ai pris petit format parce que c'était plus pour l'avoir, pour en mettre de temps en temps, mais pas forcément tous les jours. En grand format, par contre, j'ai pris celle à la fleur de Thierry. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est, à la fleur de Thierry, ça sent vraiment, c'est typique, quoi, voilà. Et en fait, j'avais également pris une autre eau de toilette, mais celle-là dans un autre magasin, c'était celui de l'hôtel, je crois, oui. À la fleur de Thierry aussi. Donc, j'ai pas essayé de comparer les deux. Non, bah non. Parce que celle-là, je l'ai sentie que dans la boutique. Mais voilà, je sais pas, ça faisait plus parfum en fait. C'était une autre marque et tout. Donc, je me suis dit, je vais tester aussi. Puis dans celle-ci, il y avait la fleur. Il y a la fleur.
Donc, oh, je sens l'odeur juste là, en fait. En fait, je vais me parfumer avec du monoï. Ça sent très bon, c'est ça. Ça sent... C'est vraiment un délice. On continue avec les casquettes ? Ouais. Moi, je vais vous montrer la première. Je l'avais ramenée puisque je l'ai fait sans L'Oréal. Voilà. Donc, c'est un souvenir du Dolphin Center de l'hôtel à Moorea. Je trouvais ça super sympa. La couleur est fluo, la matière est vraiment agréable. Super légère. Elle est aérée, elle est légère. Voilà, donc ça fait un souvenir de nos amis les dauphins. Et puis, c'était dit que cette couleur-là, Jenna pouvait... ça me ferait voilà, plaisir aussi. Exactement, exactement. Voilà. Et sinon, on a craqué sur pas mal de casquettes, mais parce que là-bas, déjà, il y avait une marque qu'on ne trouve pas facilement. Mais est-ce qu'on en a pris une de cette marque-là ? Oui, ouais. C'est ça. Et il y avait des marques de là-bas, en fait. Enfin, ou du moins, moi, que je me suis dit, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Chez eux, parce que nous, on n'avait jamais vu. Celle-ci, par exemple, c'est quoi ? Coconut ? Coconut Moon. Coconut Mousse. Avec... C'est une autre marque. C'est la marque, c'est la marque Street. Voilà. Avec le coucher de soleil sur la visière et à l'intérieur de la visière. Donc, j'ai trouvé trop canon. Au niveau paysage, il y avait aussi celle de la marque Reef. Et Reef, c'est une marque qu'on ne trouve pas hyper facilement ici. C'est pas commun. C'est pas On commun. On la trouve, mais c'est Moi, pas c'est commun. C'est une marque que j'avais déjà vue passer il y a un moment. Et franchement, l'imprimé, il est juste trop canon. Quoi. Ouais. Carrément. Alors, c'était l'occasion. Et puis, honnêtement, les casquettes étaient largement pas plus chères qu'en France. Plutôt moins, même. Moins chères, même. Hein. Ouais, c'est vraiment. Ce qu'on s'est dit. Donc, on en a un petit peu profité. Je garde les deux là pour la fin. Toi, t'es aussi tombée sur celle-là. Alors là, c'est marqué Taboo Tahiti. Donc, je pense que c'est aussi une marque de là-bas. A priori. Et ça t'a rappelé les motifs que t'as sur certains board shorts, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'es dit que ça irait bien avec. Ça peut être sympa. Et moi, ça faisait un moment que j'embêtais le chéri, que je lui disais que j'avais envie d'une casquette noire. Ouais. Vraiment noire. Mais j'avais pas envie qu'il y ait un gros logo dessus, un gros motif, etc. Et du coup, il en a attrapé une où il y a quand même un gros motif. Il n'y a pas de motif, pas de... Mais c'est pas grave parce qu'elle est trop belle. Voilà. Donc, pour moi, il a attrapé celle-ci. C'est la marque Dakine. C'est pareil, on ne la trouve pas partout, cette marque-là. Enfin, en tout cas, nous, on n'est pas sur la côte. Donc forcément, non. On la voit moins passer. C'est ça. Et du coup, il a attrapé celle-ci pour lui. Ouais. Elles sont canons. Bah, carrément. Franchement, elles sont hyper méga canons. Celle-là, je vais peut-être te la piquer aussi. Non, c'est la mienne. Moi, j'aurais essayé. Et j'ai encore quelques trucs dans ce coin-là à montrer. Donc, un pareo. J'avais envie de reprendre un pareo. Il faut dire qu'on les avait pris avant de faire les pareos personnalisés. Avant de les faire, ouais. Mais parce que tu l'as fait, j'étais même pas au courant. Exactement. En fait. Donc, étant donné qu'on ne savait pas que la famille ferait des pareos personnalisés, moi, avant ça, je m'étais pris celui-ci parce que j'adore les pareos multicolores. On peut vraiment dire que c'est hyper méga coloré. Et là, on ne nous voit plus du tout. Non. Coucou. Donc ben voilà, pour le fun, moi j'aime quand c'est coloré. Mais j'avais aussi été tentée de prendre un plus sobre, façon de parler, hein, parce que le fond est noir. En dehors des motifs. En dehors des motifs, parce que pareil, pour le côté souvenir, c'est marqué dessus un petit peu, puis ça fait des grosses fleurs, et puis je sais plus où est le début et la fin, je suis en train de tout emmêler. Ah, c'est voilà, ça. Comme ça. Puis en bas, voilà. Il y a marqué Moorea. Avec des motifs, oh, ils sont trop beaux, quoi, j'adore. C'est très joli. Je me suis dit que ça changerait du hyper, hyper méga coloré là. Oui. Et juste avant de terminer par quelque chose, je vais montrer un cadeau qu'on nous a fait là-bas. On nous a fait plusieurs cadeaux, mais il y en a, ils ont été faits à la puce. Donc, c'est elle qui vous les montrera à l'occasion. Moi, je vous montre ce qu'on nous a offert pour nous deux. Ouais. C'est une parure, en fait, pour le lit. Avec du tissu typique de là-bas. Ouais. C'est trop beau, c'est hyper coloré, c'est un joli cadeau. Ça fait beaucoup de bruit, donc j'arrête de le toucher. C'est vraiment un joli cadeau qui nous a fait chaud au cœur parce que... Très joli cadeau. Le lit va être trop beau avec ça dessus. Ouais. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'installer, donc je suis contente. Et la dernière chose qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas pour nous. Non. Non. C'est quelque chose qui est pour vous. Oui. Puisque avec le chéri, les enfants avaient décidé de mettre leur côté créatif à contribution pour faire des pareos pour eux-mêmes. Ouais. Bah, ils ont décidé... Mais on a pensé à vous. Voilà. D'en faire un pour vous. Donc, tu vas essayer de m'aider à les plier dans le bon sens. Dans le bon sens, tant qu'à faire. On est dans le bon sens. Ah, c'est dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on verra ? Alors,
il y a marqué... C'est vous qui avez choisi de marquer Team Laureline dessus. Team Laureline. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont mis dessus? Ils vous ont mis des fleurs. Ils vous ont mis... Attends, parce qu'il y en a de tous les côtés. Mouria 2018. Palmiers. Ouais, la date aussi. Mouria 2018. Il y a des palmiers au milieu. Il y a une fleur de tiare. Il y a un... Team Laureline, fallait des palmiers et des fleurs. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Les couleurs sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Et comme on vous l'a dit, celui-ci, il est pour vous. Donc... Comme à chaque fois que je fais un concours, je vais vous mettre un petit lien en dessous de la vidéo. Il faudra aller cliquer dessus, vous laisser guider et vous pourrez participer pour entrer dans le tirage au sort. Je vous mettrai les dates de clôture, tout ça, quand je le mettrai en ligne. J'espère que ça vous fera plaisir. Vraiment, c'est eux qui ont eu l'idée. Ouais. Et quand ils m'en ont parlé, j'ai dit « Ouais, trop cool, génial !» Et par contre, c'est eux qui l'ont fait parce que moi, j'étais occupée quand ils l'ont fait. C'est ça. J'étais en train de me faire tatouer. Donc, je suis trop contente, je le trouve canon et j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Et j'en profite pour remercier du coup les enfants et le chéri qui l'ont fait. C'est avec plaisir. Super idée. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce haul. J'ai l'impression qu'on a tout montré dans n'importe quel ordre, n'importe comment, etc. Que c'était un petit peu le chantier, mais c'est pas grave. C'est ça, c'était on avait cool. vraiment envie de, bah, voilà, de vous montrer les petits souvenirs qu'on s'est ramenés, qui nous font super plaisir. Vraiment. Et qui nous permettront de nous remémorer de tous les bons moments qu'on a pu passer là-bas, parce que c'était vraiment chouette. C'était super. On espère d'ailleurs qu'à travers tous les vlogs qu'on vous a fait là-bas, on a réussi à vous faire passer un petit peu du soleil, des paysages et de tout ce qui est joli à voir là-bas. Ouais. C'est vraiment ce qui me plaît dans le côté vlog en voyage. Comme en voyage, ouais. C'est de pouvoir essayer de vous montrer à travers nos yeux tout ce qui est beau à voir en fait et tout ce qu'on fait. Et je me régale quand on fait ça, ouais. Vraiment. Et ce qu'on peut ressentir. Aussi. C'est important. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. On espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir fait le vlog avec moi. Avec plaisir.